Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Paix, ordre et bonne gouvernance au Mali, perspective transatlantique. Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous une représentation internationale à cet événement avec plus de 18 nations dans l'auditoire. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux membres des corps diplomatiques de nos pays alliés, sénateurs, sénatrices, membres du Parlement, ainsi que tous ceux et celles qui se sont joints à nous d'Affaires mondiales Canada, des Forces armées canadiennes, la GRC, la Sûreté du Québec, ainsi que le monde académique et la communauté des affaires. Merci d'être là. L'événement est le fruit d'une collaboration entre la Conférence des associations de la Défense, la délégation européenne au Canada et l'ambassade de France. Merci aux deux équipes basées ici à Ottawa. C'est un véritable plaisir de travailler avec vous et j'ai bien hâte à la prochaine collaboration. Je m'appelle Youri Cormier. Je suis directeur exécutif de la Conférence des associations de la Défense au nom de notre président, le lieutenant général Guy Thibault, et de notre conseil d'administration et nos commanditaires. Je vous souhaite la bienvenue à ce cinquième webinaire de la série Experts Métro. Fondée en 1932, la conférence est un organisme à but non lucratif qui regroupe 40 associations membres qui représentent plus de 400 000 membres actifs et retraités des Forces armées canadiennes. Je suis heureux que nous soyons en mesure d'organiser cet événement entièrement francophone, qui est une première pour nous en plusieurs années, en fait. Vous avez peut-être aussi vu le week-end dernier notre annonce d'une pleine page dans le journal Le Devoir en hommage au lieutenant général Michel Maisonneuve, lauréat du prestigieux prix VIMI et ancien directeur académique du Collège militaire royal de Saint-Jean où je travaillais avant de me joindre à la conférence. Pour moi, c'est important qu'on mise beaucoup sur une présence au Québec et qu'on travaille de plus en plus dans la langue de Molière ici à la conférence. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir un événement entièrement en français aujourd'hui. Et tant mieux qu'on ait la traduction simultanée pour nos collègues anglophones. Donc, je reviens un peu sur l'activité que nous prêtons à commencer. Nous avons prévu une durée d'environ 1 h 20 min. 1 h 30 au maximum, pendant laquelle les 15 à 20 dernières minutes seront ouvertes au public pour des questions. Afin d'y participer, vous n'aurez qu'à soumettre une question en anglais ou en français via la barre à droite de votre écran. Derrière les rideaux, mon équipe s'occupera de choisir les meilleures d'entre elles et les faire parvenir à notre modératrice qui aura évidemment le dernier mot sur quelles questions nous allons poser. Si jamais vous avez des problèmes techniques, s'il vous plaît, contactez ma collègue Jane au courriel suivant, jane@cdainstitute.ca, qui sera en mesure de vous aider à reconnecter si jamais vous avez des problèmes. Et finalement, j'aimerais remercier notre commanditaire principal pour les webinaires de la série Experts, Metro Chain Supply Group, ainsi que tous nos autres partenaires, RBC Assurance, ADGA, IBM, KPMG, L3Harris, Lockheed Martin, Logistique Unicor et Raytheon. Finalement, avant de passer la parole à Eva Palatova, directrice de la section politique de la délégation de l'Union européenne au Canada, permettez-moi d'abord d'introduire notre modératrice aujourd'hui, la professeure Marie-Joëlle Zahar. Marie-Joëlle Zahar est politologue et professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Spécialisée dans le champ de la sécurité internationale, elle est experte de la violence intra-étatique. Elle est chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, où elle dirige le réseau francophone de recherche sur les opérations de la paix. Elle a également travaillé comme consultante auprès de divers think tanks et du gouvernement du Canada et des Nations unies. Merci Marie-Joëlle d'avoir accepté notre invitation. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je cède maintenant la parole à Madame Eva Palatova. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin à ce webinaire co-organisé par CDAI, l'ambassade de France à Ottawa, et la délégation de l'Union européenne au Canada. C'est ni le premier ni probablement le dernier webinaire que nous organiserons ensemble au vu de l'engouement suscité par le sujet. Merci à tous de vous être joints à nous en si grand nombre et de si bon matin. À ce que nous souhaiterions être une plateforme de dialogue et d'échange transatlantique sur les questions de sécurité et de défense. Notre discussion du jour va nous amener sur le continent africain, au Mali et dans sa région. Les défis auxquels le Mali et le Sahel doivent aujourd'hui faire face sont nombreux,
entre insécurité, instabilité chronique et faible gouvernance. Pour l'Union européenne, cette région est clé et sa stabilité revêt un intérêt stratégique. Elle est aussi un théâtre d'opérations sur lequel le Canada est intervenu aux côtés des forces européennes. Nous mesurons la portée de cet engagement et l'appréciation à sa juste valeur. Nous sommes donc ravis d'avoir pu réunir avec nous des experts canadiens, français et européens, présents de longue date dans la région. Au nom de la délégation de l'Union européenne au Canada et de nos partenaires, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Chère Marie-Joëlle, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Étant donné la qualité de nos panélistes et les limites de temps qui nous sont imposées. Jadid écrit comme un bon élève de la démocratie, le Mali a connu, le 18 août 2020, son deuxième coup d'État en 8 ans. 8 années particulièrement houleuses, pendant lesquelles la communauté internationale s'est mobilisée tant militairement que politiquement au chevet du Mali. Sur le plan militaire, nous noterons bien sûr l'opération Serval, en 2013-2014, qui a soutenu le gouvernement malien et lui a permis d'empêcher la prise de la capitale Bamako par les groupes armés islamistes. Il y aura également, par la suite, le déploiement d'une mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, mission à laquelle le Canada a bien sûr participé. La MINUSMA, qui est sur place depuis 2013, n'est pas seule sur le terrain. L'Union européenne a une mission qui vise à renforcer les forces armées maliennes et à leur permettre d'assumer pleinement la défense de la population et du territoire. Et bien sûr, à leur côté, se trouve la force Barkhane de la France, ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, qui œuvre aujourd'hui à l'échelle de la région pour lutter contre le terrorisme. Sur le plan politique, notons les négociations de Ouagadougou, appuyées entre autres par la CDAO, l'Union africaine, l'ONU et l'Union européenne. Ces négociations ont donné naissance en juin 2013 à un premier accord intérimaire, première étape dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel suite au coup d'État de 2012. Mais malgré l'élection à l'été 2013 du président Ibrahim Boubacar Keïta, les difficultés de mise en œuvre de l'accord intérimaire ont ouvert la porte à l'Algérie, qui a accueilli les parties maliennes sur son territoire en 2014-2015 dans le cadre de négociations connues sous le nom du processus d'Alger, processus qui s'est conclu par la signature en 2 temps, en avril et juin 2015, d'un accord de paix. La mise en œuvre de l'accord s'est malheureusement avérée laborieuse. Entre les atermoiements, le manque de confiance mutuelle, voire parfois la mauvaise volonté des différentes parties signataires, et les difficultés du comité de suivi de l'accord, comité de suivi international, a impulsé une dynamique positive. Les retards et obstacles ont compliqué la mise en œuvre et contribué à créer un environnement dans lequel de nouvelles dynamiques d'insécurité ont émergé. On peut noter parmi celles-ci la fragmentation et la recomposition des groupes armés signataires de l'accord. Puis, l'insécurité qui, autrefois limitée au nord du pays, s'étend désormais au centre du Mali. Et finalement, la communautarisation de la violence avec des groupes armés à base communautaire, notamment Peul et Dogon, qui s'installent désormais durablement et contribuent à donner une dimension ethnique aux violences dans le pays. Et puis finalement, comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, une violence qui déborde désormais le cadre territorial du Mali et qui embrase les pays voisins, notamment le Burkina et dans une moindre mesure le Niger. La mobilisation régionale et internationale en appui à la restauration et à l'extension de l'autorité étatique malienne ne saurait faire l'impasse de l'histoire du pays, qui en est désormais à sa 4e rébellion depuis l'indépendance et à son 2e coup d'État. Pour certains, le nœud gordien du problème se situe
non pas au niveau de la sécurité, mais au niveau de problèmes de gouvernance. Une gouvernance que l'on dit largement en deçà des aspirations profondes du peuple malien. Et lorsqu'il a été sommé de remettre sa démission, en août dernier, le président Ibeka avait eu à faire face à des mois de turbulences et de manifestations enclenchées par un mouvement, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui soulignait justement cette déception par rapport à son bilan et qui réclamait sa démission. Pour plusieurs analystes politiques et observateurs maliens et étrangers, le contexte dans lequel les présidents Amadou Toumani Touré, qui vient de décéder il y a de cela quelques jours, et Ibeka ont été renversés, ont un point commun: l'incapacité des deux hommes à diriger le pays et à instaurer un système de gouvernance vertueuse. Mais est-ce aussi simple que cela? Comment remettre le Mali sur les rails? Par où commencer? Et surtout, pourquoi devons-nous, tant ici qu'en Europe, nous intéresser à ce qui se passe au Mali et plus largement au Sahel? Pour nous aider à réfléchir à ces questions et nous donner leurs perspectives sur les défis auxquels le Mali fait face, mais également sur les pistes de solutions qu'il faudrait préconiser, nous avons aujourd'hui 4 invités distingués que je vous présente dans l'ordre dans lequel ils interviendront. La richesse de leurs parcours individuels ne me permet pas d'entrer dans le détail de leur biographie. Je vous invite donc à consulter celle-ci sur le site de l'Institut où elles sont disponibles. Le premier à prendre la parole sera l'ambassadeur Frédéric Bontemps, envoyé spécial de la France au Sahel. Il partagera avec nous la perspective française sur la question. Il sera suivi du brigadier général Cyril Karsi, qui a été jusque récemment commandant adjoint de la force Barkhane et qui nous parlera plus spécifiquement de l'environnement opérationnel et de l'internationalisation de la campagne Barkhane. Ce sera ensuite à M. Angel Losada Fernandez, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, de nous entretenir de la perspective européenne. Et Mme l'ambassadrice Isabelle Roy, ambassadrice du Canada au Mali en 2005 et en Algérie en 2014, deux moments clés dans l'histoire malienne, de nous livrer un point de vue canadien sur la question. Nos intervenants auront chacun 7 à 8 minutes pour une première prise de parole, et nous aurons par la suite l'occasion de leur poser des questions. Sans plus tarder, j'inviterai donc l'ambassadeur Bontemps à commencer. Merci Marie-Joël et bonjour à tous. Donc Frédéric Bontemps, je suis envoyé spécial de la France pour le Sahel. J'ai également une deuxième casquette que j'évoquerai rapidement en fin d'intervention. J'assume de manière provisoire les fonctions de secrétaire général de la coalition pour le Sahel. Alors, s'agissant du Mali, on est sur une situation qui est assez contrastée. Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, le Mali est un pays qui connaît un taux de croissance économique soutenu et qui est resté soutenu au cours des dernières années de l'ordre de 5% par an. Donc, on pourrait se dire que tout va bien, mais dans le même temps, on voit qu'il y a à la fois des problèmes de gouvernance, des problèmes de sécurité très lourds, tout cela étant naturellement amplifié par les difficultés liées d'une part au réchauffement climatique et au dérèglement climatique dans cette région, et puis d'autre part cette année à la crise de la Covid. Je voudrais faire un point sur 4 domaines essentiels, que sont la situation sécuritaire, la situation politique, les questions de présence de l'État et les questions de développement. Ces 4 points correspondent en fait aux 4 piliers de la coalition pour le Sahel et à la manière dont se mobilise l'ensemble des acteurs internationaux. Sur le plan sécuritaire, tout d'abord, la situation sécuritaire au Mali, depuis l'intervention Serval et la et qui s'est ensuite transformée dans la présence de Barkhane et la mobilisation de la communauté internationale, reste extrêmement difficile. Ce qui nous a conduit d'ailleurs, entre la France et l'ensemble de ses partenaires
sahéliens réunis au sein du G5 Sahel, à plusieurs réunions au cours desquelles nous avons évoqué les moyens d'améliorer cette situation, dont le sommet de Pau en janvier dernier. Depuis ce sommet de Pau, il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits, mais on observe le maintien d'une capacité de nuisance extrêmement importante des groupes terroristes. Or, les progrès, qu'est-ce que c'est ? C'est une montée en puissance très progressive des forces armées des pays du G5 Sahel, donc Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad. C'est une montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel. Ce sont des opérations qui ont été mises en œuvre et qui ont permis de réduire de manière assez notable et même parfois considérable les capacités militaires globales des groupes armés terroristes dans la région, en particulier au Mali. Pour simplifier, vous avez au Mali deux types de groupes armés terroristes, deux grandes espèces de coalitions. Certains dans la région des trois frontières, donc à la limite entre le Burkina, le Mali et le Niger, sont plutôt affiliés à l'État islamique, tandis que d'autres, dans la région centre davantage du Mali, sont davantage affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans ce jeu extrêmement compliqué, les actions récemment ont permis d'affaiblir les groupes, notamment ceux qui interviennent dans la région des trois frontières. Il y a eu, par exemple, au cours des dernières semaines, une importante opération armée conduite avec Barkhane, mais également avec la force conjointe du G5 Sahel, avec des contingents nigériens, avec des contingents du Mali, avec également ce qu'on appelle la Task Force Takuba, qui est une force internationale d'intervention contre le terrorisme, qui a permis de remporter d'importants succès et de surtout constater que les capacités opérationnelles de nos partenaires étaient en train de monter en puissance. Pour autant, c'est un secret pour personne, on voit bien que les groupes armés conservent cette capacité à monter des opérations, soit ponctuelles, soit un peu plus lourdes, qui pèsent très lourdement sur la situation des populations. Sur le plan politique, Marie-Joëlle, vous l'évoquiez, il y a eu ce coup d'État au Mali qui a naturellement été condamné par la communauté internationale. Le coup d'État ne peut pas être considéré comme une façon acceptable de régler des tensions politiques. Dans le même temps, ce coup d'État, il faut le reconnaître, a été plutôt bien accueilli par la population et a évolué assez rapidement, notamment sous la pression de la CDAO, pour aller vers un gouvernement de transition, qui doit aboutir dans un délai de 18 mois à une remise complète du pouvoir aux civils. Notre vision, côté français, c'est que cette période de transition doit être utilisée comme une opportunité pour faire avancer les chantiers qui étaient un peu bloqués au Mali, notamment la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Aujourd'hui, nous avons globalement une normalisation des relations entre le gouvernement malien de transition et la communauté internationale, les activités de développement, mais également les activités de coopération dans le domaine sécuritaire ont totalement repris, notamment les activités européennes. Je pense qu'Angel Losada pourra nous en dire plus tout à l'heure. Et donc, nous avons une période complexe, mais qui, nous le pensons, doit permettre d'obtenir des avancées. Je ne m'étends pas sur le Burkina Faso et le Niger, qui vont connaître des processus électoraux dans les semaines à venir. Et là aussi, nous devons considérer ça comme une opportunité pour aller de l'avant. Troisième point, sur la question de la gouvernance, en particulier sur la question de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est un des sujets les plus compliqués, les plus délicats. Ça
recouvre ce qu'on appelle le troisième pilier de la coalition pour le Sahel, donc avec le redéploiement de l'État dans ses missions régaliennes, mais également des services publics sociaux, éducation, santé, services publics urbains, marchands, l'eau, l'électricité, l'assainissement, les transports sur l'ensemble du territoire. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué compte tenu de la situation sécuritaire, car il demande une articulation entre les déploiements des forces de défense et de sécurité, des armées nationales, le déploiement des forces de sécurité internes, police, gendarmerie, et le déploiement des services publics eux-mêmes. C'est un des points sur lesquels nous espérons que des progrès seront accomplis prochainement, mais il reste beaucoup à faire. Et puis, quatrième pilier, rapidement, celui du développement, là, qui est mis en œuvre à travers, notamment avec l'appui de la communauté internationale, qui s'est regroupée à travers ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel, qui a tenu un de ses comités de pilotage opérationnel cette semaine même, qui permet de mobiliser des fonds extrêmement importants. Et nous avançons, je dirais, sur la manière de mieux mobiliser nos moyens conjointement et en lien avec les partenaires nationaux dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche territoriale intégrée. Voilà les quatre piliers sur lesquels on avance, avec l'objectif d'obtenir de véritables évolutions, de véritables progrès dans les mois à venir. Dernier point, en ce qui me concerne, vous avez dit que j'ai deux casquettes, celle d'envoyé spécial pour le Sahel, mais également celle de secrétaire général de la coalition pour le Sahel. Deux mots là-dessus, cette coalition a été créée lors du sommet de Pau et puis du sommet de Biarritz ensuite en juin dernier. L'objectif est d'avoir une mobilisation partenariale à la fois des États du G5 et de la communauté internationale autour de l'ensemble des sujets transversaux qui doivent permettre de rétablir la situation au Sahel. Le secrétariat de cette coalition que j'assume à titre provisoire sera transmis dans les semaines à venir à un Sahélien, en même temps qu'il sera installé non pas à Paris, mais à Bruxelles. Et je crois que c'est un outil qui sera extrêmement précieux et important dans les temps qui viennent pour permettre d'avancer sur le terrain. Voilà quelques mots rapides pour camper le décor. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vais inviter le général Karsi à prendre la parole. Bonjour à tous. Comme le disait Marie-Joëlle, j'interviens au titre de mes fonctions que j'occupais encore il y a 3 mois, à savoir général adjoint opération de Barkhane, et des fonctions que j'ai occupées pendant 1 an. Je vous propose de vous embarquer sur le terrain et de vous faire découvrir le milieu austère dans lequel les soldats français, européens, américains, canadiens et surtout africains sont engagés. Pour ça, je parlerai en 4 parties. La première sera une rapide description de l'environnement physique et géographique qui m'amènera tout naturellement à vous parler de l'ennemi et de faire écho à ce que disait l'ambassadeur Bontemps. Bien entendu, il faudra également que j'insiste sur la mission de la force Barkhane et avec à ses côtés les différents partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux. Ainsi, Barkhane et ses partenaires agissent principalement dans la bande sahélo-saharienne. Il s'agit en fait d'une zone de transition entre le désert au nord et la savane au sud. Le paysage y est semi-désertique. On y trouve des étendues de sable et de roches avec de nombreuses dépressions appelées ouèdes. Des arbustes de type acacia poussent dans ces ouèdes, permettant ainsi aux populations locales de vivre de pastoralisme et par endroits de culture de type sorgho ou millet. Cependant, le réchauffement climatique accroît la désertification et accentue la pression sur ces tribus. La cartographie ethnique se caractérise par une mosaïque riche et complexe, au cœur de laquelle évoluent les Peuls, population vivant de pastoralisme et de transhumance saisonnière. Ces tribus ont autrefois cohabité, mais au fil de l'histoire, le déficit de gouvernance, comme l'a rappelé Marie-Joëlle, n'a pas permis d'arbitrer les affrontements intercommunautaires qui, couplés à la sécheresse, conduisent à la dégradation sécuritaire actuelle. Cette description physique et ethnologique est fondamentale pour comprendre l'origine du mal. Je vous propose donc de décrire l'ennemi que Barkhane et ses partenaires combattent au quotidien dans cette zone. En fait, les groupes armés terroristes qui agissent dans la zone poursuivent un combat insurrectionnel.
Il se cache au milieu d'une population pauvre et tente de la contrôler. Si je devais utiliser une métaphore médicale, je dirais que le djihadisme dans cette région est une maladie opportuniste qui profite d'un corps malade et affaibli. Barkhane doit donc faire face à un ennemi endogène qui exploite toutes les faiblesses que l'on peut trouver dans ces pays. La pauvreté, une faible empreinte sécuritaire, des tensions interethniques et une population vulnérable. À titre d'exemple, le prélèvement de la zakat est une des principales sources de financement. Les terroristes utilisent ce prétexte religieux pour se livrer à une activité de racket. Ce point est important car il met en évidence que l'emprise des terroristes sur la population est éphémère, car elle ne repose que sur la pression et la terreur. Ces groupes recrutent parmi la population jeune, pauvre, sans aucune éducation et bien souvent marginalisée. Je pense en particulier aux jeunes Peuls qui vivent en insécurité permanente, craignant des attaques d'autres ethnies. Sans aucune alternative socio-économique, les jeunes à qui on donne une moto et une kalachnikov se tournent vers un terrorisme à la croisée du brigandage et de l'insurrection ethnique. Le radicalisme religieux est bien loin d'être la première racine de ce mal djihadiste. Comme l'a rappelé l'ambassadeur Bontemps, l'ennemi a deux visages au Sahel. L'État islamique, avec sa franchise État islamique au Grand Sahara, dont l'empreinte est principalement localisée dans la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et Al-Qaïda, représenté localement par le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui regroupe différentes factions depuis le nord du Mali jusqu'au centre. Je n'ai pas évoqué Boko Haram, qui est bien plus dans la région du Niger et qui ne fait pas partie de notre dossier aujourd'hui, quand bien même il s'agit aussi d'une menace suivie par Barkhane. Alors, que fait la force Barkhane au Sahel? La stratégie de Barkhane s'appuie sur trois axes, conduits simultanément. Le premier est l'affaiblissement physique de l'ennemi au travers de la neutralisation de ses combattants et la destruction de ses ressources. Le deuxième consiste à agir sur la volonté de l'ennemi au travers de la montée en gamme des forces locales. Enfin, le troisième est la réduction de l'influence de l'ennemi sur la population en créant des conditions de sécurité qui favorisent l'émergence de projets de développement. L'objectif étant de réduire les capacités de recrutement des djihadistes en offrant aux jeunes d'autres perspectives. Le tout pour un objectif clairement affiché qui est de mettre les groupes armés terroristes à la portée des forces locales et de la force conjointe du G5 Sahel. Le sommet de Pau de janvier 2020 a été un véritable électrochoc. D'abord parce qu'il a permis de mobiliser les partenaires qui avaient reçu de nombreux coups en fin d'année 2019. Ensuite parce qu'il a ouvert la voie à l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 au travers de la mise en place d'une architecture de coordination avec Barkhane. Et enfin, parce qu'il a permis de concentrer les efforts sur un unique ennemi désigné qui était le IGS dans la zone des trois frontières. Comme l'a indiqué l'ambassadeur Bontemps, les résultats sur le pilier 1 sont aujourd'hui visibles avec un EIGS qui a subi de très lourdes pertes. Nous avons stoppé la spirale de la violence dans le secteur des trois frontières en donnant confiance à nos partenaires sahéliens. La fin des attaques de poste par l'EIGS a produit un effet que l'on oublie souvent, à savoir celui de réduire l'empreinte numérique de notre ennemi qui n'hésite pas à diffuser des vidéos sur Internet pour lui permettre de subsister sur les réseaux sociaux. Cependant, cette mise hors de combat de nombreux combattants n'est pas une fin. L'essentiel est de faire monter en gamme nos partenaires. Alors, qui sont-ils, ces partenaires africains? Si je devais décrire nos frères d'armes maliens, nigériens, burkinabés, je dirais de manière générale qu'ils représentent la masse militaire face aux terroristes. Les principales difficultés observées au quotidien résident dans le manque d'aguerrissement des soldats, une force morale encore fragile, des moyens logistiques insuffisants et une faible mobilité. C'est pour toutes ces raisons que de nombreux postes ont été submergés par l'ennemi à l'automne 2019. Barkhane a donc mis en place un partenariat de combat consistant à accompagner nos partenaires sur le terrain dans les zones ennemies pour qu'ils gagnent en confiance à nos côtés. Quant à la force conjointe du G5 Sahel, elle est indispensable dans la conduite d'opérations transfrontalières, car l'ennemi ne connaît pas les frontières et en joue. Le général Namata,
qui est le force commandeur de la force conjointe du G5, est un homme charismatique, solide, engagé, dont l'action s'est avérée déterminante. La force conjointe du G5 et Barkhane ont créé un mécanisme de commandement conjoint à Niamey, permettant de coordonner et d'optimiser les actions des deux forces saliliennes face aux groupes armés terroristes. Quant aux partenaires internationaux, eh bien, Barkhane agit avec la MINUSMA, Marie-Joëlle l'a rappelé. C'est un allié très utile car il apporte de la masse face à l'ennemi. Il a un mandat solide, renouvelé le 29 juin dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, et il joue un rôle déterminant au plan militaire dans le centre du Mali et au plan politique au travers du suivi des accords d'Alger. Les États-Unis apportent aussi une aide précieuse dans les domaines de renseignement, du ravitaillement en vol et du transport, et Africom est en relation quotidienne avec nous au travers d'équipes intégrées dans notre centre de commandement. Les Britanniques, les Danois participent également à Barkhane en fournissant des moyens d'hélicoptères lourds pour transporter les troupes, qu'elles soient françaises ou africaines, dans la zone des trois frontières. Et je terminerai par le Canada avec son opération Fréquence, qui apporte un soutien logistique avec la mise à disposition d'appareils de transport à la fois stratégiques et tactiques. Et il s'agit pour nous d'une mission structurante compte tenu des élongations logistiques qui existent sur ce théâtre. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse la parole à Marie-Joëlle. Merci beaucoup, mon général. On me demande de faire un message à l'auditoire avant de donner la parole à M. Lossada. Si jamais vous ne pouvez pas voir la barre à questions sur le côté droit de votre écran, vous pouvez recharger la page, donc faire un « reload ». Et la barre apparaîtra. Le fait de recharger la page n'affectera pas votre connexion au webinaire. Donc, si vous n'arrivez pas à voir la barre à questions, qui devrait être sur le côté droit de l'écran, rechargez vos pages et ceci devrait régler le problème. Et si ça ne le règle pas, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour en informer l'équipe de support technique. Donc, avec toutes mes excuses pour avoir couper, si vous voulez, le flux de la discussion. Je vais donc inviter l'ambassadeur Lossada à prendre la parole. Oui, merci. Merci Marie-Joëlle. Et avant tout, bien sûr, permettez-moi d'exprimer ma gratitude aux organisateurs. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous, de rencontrer, bien sûr, l'ambassadeur Bontemps et tous les collègues. Et je tiens à remercier spécialement également la délégation de l'UE, Eva, pour le travail qu'elle a fait avec les autorités canadiennes et l'ambassade de France. Bon, le sujet de la stabilité est un sujet très vaste pour toucher à 7 minutes. De nombreux éléments ont déjà été touchés, mais je voudrais me centrer surtout sur trois questions, sur trois thèmes. Le premier, il a été assez élaboré, mais je voudrais vous donner un peu ma perception. Quelle est la situation aujourd'hui au Sahel et au Mali en concret? En deuxième lieu, que fait la communauté internationale et spécialement l'Union européenne? Et en troisième lieu, de mon point de vue, quels sont les principaux enjeux auxquels nous devons faire face? Alors, premier élément, la situation. Moi, je dis toujours que la sécurité au Sahel, c'est la sécurité de l'Europe et par extension, la sécurité internationale. Cela nous affecte directement pour des raisons géographiques qui n'échappent à personne. Il ne fait pas de doute, et je décris toujours le Sahel, que c'est un polygone de crise. Qu'est-ce que j'entends quand je dis un polygone de crise? Toutes les crises se concentrent malheureusement en une sorte de perfect storm, que disent les Anglais, au même moment. Nous avons, et ceci a été très bien dit auparavant, et nous avons énormément travaillé là-dessus, une crise de gouvernance, nous avons une crise sécuritaire, une crise de développement économique, une crise humanitaire et même de migration, une crise démographique, ce qui s'accouple avec le problème de changement climatique. Nous avons également, et comme ça a été dit, je reviendrai un peu, une crise intracommunautaire. Alors, en premier lieu, cette crise de gouvernance de laquelle tout le monde parle, tout le monde est d'accord aujourd'hui que nous faisons face à une crise de gouvernance. Elle s'établit sur plusieurs niveaux, sur plusieurs éléments. C'est avant tout une crise de gouvernance politique et le Mali l'illustre, je crois, parfaitement. Je dis toujours également cette phrase qu'il n'y aura pas de paix au Sahel s'il n'y a pas de paix au Mali, ça ne fait aucun doute. Nous avons parlé de l'accord de paix. Je suis moi-même le médiateur au nom de l'Union européenne de l'accord de paix. Je pars après-demain
pour Bamako pour suivre le CSA, le comité de suivi de l'accord. Et cet accord de paix qui a eu de la peine à rentrer en marche, à être appliqué. J'utilise toujours cette phrase pour opter un certain optimisme. Certainement, ça n'a pas été aussi vite qu'on le souhaitait, mais pas aussi doucement qu'on le craignait. Donc, il faut quand même donner un élément à cet accord de paix. Quel est l'élément fondamental qui est en train de bloquer le tout? Ce sont toujours les mêmes problèmes. Le problème de l'inclusivité, le problème de l'appropriation, et je reviendrai après, du processus de paix, non pas par ceux qui l'ont signé, mais par la population malienne. Et c'est également une question de difficulté de toucher un élément essentiel, c'est la réforme du secteur de sécurité qui est fondamentale. Quant au coup d'État qu'il y a eu, beaucoup a été dit, mais je me pencherai sur une question. C'est un coup d'État qui est absolument très spécial, je crois étudié même dans les livres de sciences politiques, parce que c'est un coup d'État militaire, sans aucun doute, il n'est pas anti-occidental pour l'instant, si on est prudent, et il a été appuyé massivement par la population, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a lieu devant nos yeux avec une présence internationale aussi bien des Nations Unies, aussi bien de l'Union Européenne, aussi bien des principaux acteurs comme la France. Il a lieu devant nos yeux avec des militaires qu'on était censé ou travailler avec ou former. Donc, il y a quelque chose à remettre, pas en cause, mais à étudier nous-mêmes notre relation dans ce sens. Et le point de vue de la réforme du secteur de sécurité est, je répète, un des éléments, sans aucun doute, les plus importants. C'est, j'ai dit, une crise de gouvernance à ce stade-là. Également, une crise de gouvernance territoriale. Manque de, ceci a été dit par l'ambassadeur de Bontemps, je veux dire, manque de la présence de l'État. Également, une crise institutionnelle, un manque de confiance de la population en leur gouverneur. La question de la confiance de la population est un élément essentiel également. Donc, nous avons cette crise de gouvernance. Nous avons une crise sécuritaire qui a été très bien exposée, je ne reviendrai pas dessus, nous affecter. Par exemple, deux membres de mon équipe sont des rescapés des attaques terroristes et je salue vraiment l'action faite par Barkhane et toutes les actions qu'ils ont entreprises. Une crise de développement économique. On parle des 5 pays les plus pauvres du monde. Tout ceci en plus aggravé par la crise du Covid qui ne va pas arranger les choses malheureusement. Une crise humanitaire, il n'y a qu'à le voir. Nous l'avons récemment au Burkina, il y a 1 million de réfugiés. Tout ceci uni avec un problème de migration également. Et une crise démographique qui s'allie avec un problème de changement climatique. Moins de terres à cultiver, une population qui pousse de point de vue exponentiel. Tout ceci fait que les anciens clashs intercommunautaires sont instrumentalisés par les djihadistes, sont provoqués même par les djihadistes, accentués par eux pour créer le chaos et pour apparaître eux comme les seuls qui peuvent donner une solution à la région et pour s'attirer les populations. Ceci a été dit d'ailleurs très bien par le général, ce problème des agriculteurs contre les éleveurs. Bon, voilà un peu, on brosse très rapidement la situation. Deuxième point que je voudrais voir, c'est quelle était la réponse de la communauté internationale et spécialement de l'Union européenne. Il y a eu 3 réponses. Une réponse africaine, une réponse européenne et de ses États membres et une réponse de la communauté internationale plus en général. Alors, la réponse africaine, c'est la création du G5 qui se fonde sur 2 actions fondamentales, la création d'une force conjointe, ceci a été dit, et également, du point de vue du développement, l'établissement ou l'élaboration d'un programme d'investissement prioritaire. Pour tous ces deux, l'Union européenne a énormément contribué, soit au financement en organisant la conférence de Bruxelles pour la force conjointe, soit à son organisation également en finançant et en organisant la conférence de Nouakchott pour le programme d'investissement prioritaire à travers également l'action de l'Alliance Sahel qui est essentielle. Voilà quelle a été la première réponse africaine avec le G5 qui est un secrétariat permanent qui siège à Nouakchott et une présidence tournante aujourd'hui aux mains des Mauritaniens qui sera bientôt au Tchad. L'Union européenne. Alors, qu'a fait l'Union européenne? En premier lieu, il faut quand même rappeler qu'en 2011, l'Union européenne a été la première à approuver une stratégie pour le Sahel. La stratégie pour le Sahel qui se fonde sur un principe très simple. Pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Et tout ceci dirigé vers les 5 pays, justement, du G5.
C'est très bien d'avoir une stratégie. Encore, il faut un plan d'action régional qui a été approuvé en avril de 2015 jusqu'à 2020, qui établit plusieurs priorités, jeunesse, radicalisation, migration, contrôle des frontières, sécurité, etc. Mais pour cela, il faut des instruments. Alors, l'Union européenne a des instruments financiers, jusqu'à maintenant, le 11e FED, et l'Union européenne et ses États membres, du point de vue du développement, ont dépensé plus de 8 milliards d'euros pour la région, ce qui est quand même une somme très, très, très importante. En plus, il faudrait ajouter ce qui a été fait avec le fonds fiduciaire pour les causes profondes de la migration et également la Facilité africaine de paix pour financer les opérations, pour financer la force conjointe et l'élément sécuritaire. Ça, ce sont les instruments financiers. Nous avons également des instruments institutionnels. Quels sont les instruments institutionnels? Mon propre bureau, le AS, et nos missions PSDC sur le terrain. Nous en avons trois, comme vous savez. Une de formation ETM, formation militaire, au Mali. Une au Mali, EK, pour les questions de sécurité intérieure et civile. Et une autre au Niger, également, EK-Niger, en plus la migration. Sur la question qui a été posée par Frédéric, effectivement, les actions avaient été interrompues. Aujourd'hui, elles ont repris. Nous sommes dans l'attente un peu. Je me déplacerai après-demain, comme j'ai dit, à Bamako, et j'irai à Kidal également pour voir toutes les actions que l'Union européenne est en train de faire pour la réforme du camp de Kidal et pour faire avancer le processus de paix qui est un élément fondamental. Et quant à la communauté internationale, ceci a très bien été expliqué, je n'y reviendrai pas, c'est le processus de paix, la création de la coalition qui est fondamentale avec ces quatre piliers qui ont été expliqués. Je citerai quand même un peu spécialement le pilier 2 et 3. Le pilier premier, comme vous savez, c'est la lutte contre le terrorisme, court terme. Pilier 2, 3, moyen terme, stabilisation. Et pilier 4, le développement, à travers l'Alliance Sahel, fondamentalement. Pilier 2 et 3, le P3S, le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. L'Union européenne a pris ce secrétariat du P3S et leadership dans ce secrétariat, et nous sommes en train de monter aujourd'hui même toutes les actions pertinentes, mais c'est une question, comme l'a dit l'ambassadeur Montand, une question très délicate mais très importante dans laquelle l'Union européenne est absolument engagée, aussi bien sur le pilier 4, bien sûr, à travers de l'Alliance Sahel. Le dernier point que je voulais soulever, si vous me permettez, très brièvement, c'est quels sont les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, de mon point de vue. Sans aucun doute, l'élément majeur, c'est au sein de l'Union européenne approuver une nouvelle stratégie, car cette stratégie, avec la nouvelle architecture que nous avons, avec tous les nouveaux éléments que nous avons, sans doute n'est plus aujourd'hui valable. Elle a été très importante, mais aujourd'hui, il faut la mettre à jour, il faut la réviser. Nous sommes dans ce processus et nous voulons, d'après les premiers débats, que ce soit une stratégie plus politique, c'est-à-dire un échange beaucoup plus politique, également qui exige plus exigeante, action-oriented, avec des actions et des objectifs qui doivent être atteints, et surtout une exigence mutuelle, une redevabilité mutuelle. Ça, c'est selon les éléments. Nous en avons parlé. Le haut représentant s'est entretenu il y a à peine trois jours avec les cinq ministres du G5 dans cet esprit pour les faire participer également pour l'avoir. Mais je vois que nous avons, à vrai dire, trois enjeux fondamentaux à faire face. C'est le problème de la coordination, le problème de l'inclusivité et le problème de l'appropriation. Le problème de la coordination, avec la coalition Sahel, certainement nous allons avoir une meilleure coordination. Mais attention, nous avons plus de 17 stratégies aujourd'hui au Sahel. Donc il faut vraiment une coordination qui soit bien à point. Nous avons, et je co-préside et j'ai lancé l'initiative des envoyés spéciaux pour le Sahel. Le Canada est invité. Nous allons avoir le 17 la réunion des envoyés spéciaux. Je crois que c'est une initiative très importante car elle nous permet de mettre en musique un peu toutes les différentes actions, dans la même musique, toutes les différentes actions. Problème de coordination, donc fondamental. Problème d'inclusivité, la question des droits de l'homme est également essentielle et l'Union européenne y tient énormément. Ne finançons pas, la crédibilité de l'Union européenne est en jeu si nous finançons des opérations militaires qui mènent à des exactions dans les droits de l'homme. Pour cela, nous avons une coopération avec les Nations Unies et nous travaillons très, très, très fortement sur ce sujet. Et dernier point, la question de l'appropriation. L'appropriation est vraiment un problème
fondamental. Si on n'a pas une appropriation par les États sahéliens de ce que nous sommes en train de faire, je crois que ça serait très, très difficile. Et pour ça, je répète et je finirai avec cette phrase, que nous ne travaillons pas pour le Sahel, non, nous travaillons avec le Sahel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Losada. Madame Roy, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Merci beaucoup à mes collègues pour ces exposés extrêmement complets, très exhaustifs, et où malheureusement, j'entends trop souvent les échos de ce que nous discutions il y a 10 ans au Mali. Alors, permettez-moi, puisque je suis la dernière à parler et puisque aussi je suis la seule à être à la retraite, donc permettez-moi une certaine liberté de ton et surtout de parler avec un seul fil rouge, c'est-à-dire le décès du président ATT, comme Marie-Joëlle nous l'a dit tout à l'heure, qui est survenu il y a 2 jours, le 10 novembre. Et pourquoi j'aimerais parler d'ATT, c'est que c'était le témoin de ces années d'or que j'ai passées au Mali. Pourquoi des années d'or? Parce que c'était la paix à cette époque. Mais tout ce que vous avez discuté peut trouver un écho lors de ces années d'or, puisqu'il y avait également des défis. Je vois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, sans aucun problème. Très bien. Donc, ATT, j'aimais beaucoup mes discussions avec lui. Il s'entretenait beaucoup avec certains ambassadeurs, l'ambassadeur de France, mes deux collègues successifs, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur du Canada. Et j'ai eu notamment le récit détaillé de l'enlèvement des 2 otages autrichiens et des progrès, des petits progrès, semaine après semaine, pour les libérer vers la fin de l'année 2008. Ils y sont restés 8 mois. C'était les premiers otages dont toute la communauté internationale a parlé. Et ça devait être malheureusement le coup d'envoi d'une série par la suite. On a eu nos otages canadiens, Bob Fowler et Louis Gay, qui ont été enlevés à peine 2 mois après que je sois revenue du Mali. Donc, en septembre 2008, je les avais croisés à Paris et je leur avais transmis toutes les informations que le président ATT m'avait données au sujet des otages autrichiens. Pendant leurs 4 mois de détention, ils y ont beaucoup pensé. ATT était un militaire, comme vous le savez, et pourtant, vous vous souvenez qu'il répétait sans cesse qu'il n'y aurait pas de solution militaire au nord Mali. Il répétait aussi sans cesse, à partir de 2011, c'est-à-dire à partir de l'opération de l'OTAN en Libye, qu'il fallait faire attention au flot d'armes qui partait de Libye jusqu'au sud, c'est-à-dire vers le Mali, vers le Niger, vers le Burkina, dès 2011 et qui a continué pendant des années, avec également beaucoup, beaucoup de Touaregs qui avaient travaillé pour Kadhafi, munis d'armes et d'argent. Et ça, ça a changé profondément la situation à partir de 2012. Je crois qu'aujourd'hui, la population comprend mieux les messages de ATT. Il a été jugé assez durement à l'époque où le coup d'État de 2012 s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut comprendre à quel point ce coup d'État était folie, 1 mois à peine avant des élections, dont on disait qu'ATT les confisquerait, mais personne ne peut le savoir puisque on lui a refusé cette sortie honorable 10 ans après son rôle de président de la République et surtout 20 ans après son rôle de soldat de la démocratie, puisqu'en 90, après le coup d'État qu'il avait fait, qu'il avait accepté d'en être le porte-parole,
Il avait remis le pouvoir aux civils et il y avait eu les premières élections dites libres. ATT aussi, qui, au-delà de la sécurité, a sans cesse appuyé la gouvernance et a fait preuve de leadership dans ce dossier de la gouvernance. Notamment, c'est grâce à son appui que le Canada a pu appuyer l'institution du Bureau du vérificateur général, qui est aujourd'hui une des institutions, je lisais tout récemment, les plus respectées par les Maliens, malgré des débuts difficiles, malgré des réticences de quelques partenaires techniques et financiers. Eh bien, ATT l'a imposé cet outil d'inspiration totalement canadienne, parce qu'il était convaincu, avec cet instinct qu'il avait, très loin d'une personnalité intellectuelle, c'était cet instinct politique qui le caractérisait, parce qu'il était persuadé que c'était l'outil privilégié de lutte contre la corruption. Gouvernance également, c'est grâce à l'appui d'ATT que le Canada a pu accroître son aide, son investissement en aide au développement et en aide à la gouvernance, qui a quintuplé entre 2003, je dirais, et 2009-2010, pour passer vers 100 millions de dollars par année. Donc, au-delà du bureau du vérificateur général, il y avait la justice, l'appui à la justice, un autre pilier fondamental de la gouvernance, l'appui à la gestion des finances publiques, les revenus fiscaux, grâce à cet appui que le Canada a fait à la direction des impôts, est passé de 60 milliards en 1998, soit à peine 25% des revenus possibles fiscaux, à 900 milliards en 2019, soit autour de 60% des revenus fiscaux. Également un pilier important de la gouvernance. Et enfin, les droits des femmes. ATT y croyait beaucoup, il était au départ assez amusé de cette passion qu'il notait chez nous, les Canadiens. Mais plus tard, c'est lui qui nous a favorisé, qui a favorisé beaucoup de projets à ce chapitre qui s'est avéré extrêmement important et sur lesquels le Canada continue aujourd'hui. J'entendais le nécessaire enjeu de coordination que l'envoyé spécial de l'Union européenne citait. Eh bien, à l'époque, c'était également un enjeu très important, un enjeu que ATT comprenait également, une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds, qu'on appelait les partenaires techniques et financiers. C'était un chantier sur lequel on a dépensé des heures et des heures d'efforts. Malheureusement, en 2012, le coup d'État a mis un coup d'arrêt à ces efforts, mais je crois qu'aujourd'hui, en temps de conflit, cet enjeu de coordination est effectivement extrêmement important. Un autre appui qu'ATT a permis au Canada de faire, au Mali, c'est l'appui à la croissance économique. Et justement, mes collègues mentionnaient que la croissance économique au Mali ne s'est pas démentie. J'aimerais simplement toucher le secteur minier qui, quand même, correspond à 12% du budget du Mali aujourd'hui encore. Le Canada pourrait faire plus en ce sens. À l'époque, le Canada appuyait beaucoup l'action des entreprises canadiennes dans le secteur minier, le Mali étant le troisième producteur d'or en Afrique. Et il y a non seulement à apporter un appui à ces sociétés, mais il y a surtout un appui à apporter aux autorités maliennes en termes de gouvernance de ce secteur minier pour qu'elles puissent négocier d'égal à égal avec les sociétés, formation, fiscalité minière, etc. J'en arrive au pilier de la sécurité, bien sûr, sur lequel ATT nous appuyait également. Je veux mentionner l'école de maintien de la paix de Bamako, qui est la première ENVR, École nationale à vocation régionale du réseau français,
à devenir malienne, avec statut malien et un conseil d'administration international. Cette nouveauté a vraiment bénéficié d'un appui total et inconditionnel d'ATT et d'un grand appui du Canada. C'était la première école au niveau tactique, je vous le rappelle, la première du monde francophone, qui était couplée avec celle d'Accra et celle d'Abuja, au niveau opérationnel à Accra, au niveau stratégique à Abuja. Ce réseau en matière de sécurité, en amont des conflits, bien sûr, nous paraît extrêmement important. Là encore, je pense que le Canada pourrait aider, puisqu'il a déjà fait ses preuves dans le passé. Je vous entends parler de l'accord d'Alger et bien sûr me reviennent en mémoire tous ces échos du précédent accord d'Alger. Marie-Joëlle a souligné qu'il s'agissait de la quatrième rébellion depuis l'indépendance, rébellion dans le Nord Mali. Bien qu'aujourd'hui la situation se soit bien complexifiée avec le centre également, il ne s'agit pas seulement du Nord, bien malgré tout, l'accord d'Alger, sur lequel vous penchez tous, est une espèce de rappel de l'accord d'Alger de 2006, où à Kidal a eu lieu une signature tout à fait inusitée entre le président ATT et son partenaire avec lequel il négociait à l'époque, Iyad Agali. C'est un peu ironique quand on y pense. La plupart des ministres y étaient et nous tous, ambassadeurs, y étions aussi grâce aux avions américains qui avaient transporté tout ce beau monde vers Kidal, 2006. Malheureusement, qu'est-ce qui a achoppé à la suite? C'est la mise en œuvre. Le programme décennal du développement Nord-Mali, malgré des efforts régionaux immenses et des efforts de tous les bailleurs de fonds, n'a jamais été mis en œuvre. Et déjà à l'époque, nous avions le même langage pour parler à nos interlocuteurs maliens. Nous parlions de problèmes de légitimité de l'État, problèmes d'absence de l'État dans le Nord Mali et nécessité de renforcement de l'État dans ces zones. Je vais peut-être terminer parce que je vois que le temps file très vite. En parlant de l'Algérie, puisque j'étais en Algérie tout récemment, l'Algérie, qui aujourd'hui a connu bien, bien, bien des problèmes et qui donc est un peu moins présente. Mais l'Algérie qui, quand j'y étais, il y a à peine 3 ans, était très agacée par ce G5, très, très agacée, évidemment, d'en être exclue. Et à cela, nous le répondions tous, les ambassadeurs, que l'Algérie devrait peut-être revoir sa doctrine de ne pas intervenir hors de ses frontières avec ses forces armées extrêmement professionnelles, puisque nous avions besoin d'une véritable force opérationnelle. Aujourd'hui, justement, cette doctrine est remise en cause, donc ce serait intéressant de voir comment l'Algérie va se comporter dans les prochaines semaines, prochains mois plutôt, avec un président très très malade de la COVID qui est en Allemagne aujourd'hui, mais avec néanmoins une volonté exprimée par ce gouvernement de Tebboune et du Premier ministre Djerad de jouer un rôle plus grand dans la diplomatie internationale. Ça sera intéressant à observer parce que la connaissance des protagonistes et antagonistes au nord Mali et au centre Mali de tous les groupes ethniques, Fulani, Dogon, Touareg, la connaissance des Algériens est extrêmement fine et je pense qu'on ne peut pas s'en passer, bien qu'il faille évidemment cadrer cette participation ou cette éventuelle contribution de l'Algérie. Voilà, je m'arrêterai ici simplement pour rendre un dernier hommage à ATT qui a pris une certaine revanche
en étant accueilli triomphalement à son retour au Mali en décembre dernier. Il a participé au 100e anniversaire de Mopti, comme vous le savez tous, et il avait dit à cette époque qu'il allait tout faire en son possible pour aider vers plus de cohésion, plus de paix à Mopti, sa région natale. Et déjà, il y avait eu des réunions, des rencontres. Malheureusement, il est parti trop tôt. Probablement qu'il aurait pu jouer un rôle de médiation comme il savait si bien le faire. Et probablement aussi que le Canada pourrait faire davantage en ce qui concerne les processus de médiation, de réconciliation, comme nous l'avons fait pendant la transition de 91 et comme nous avons continué à le faire pour le Nord Mali. Donc, ce serait quelque chose qui viendrait en complémentaire des missions Barkhane et MINUSMA. Merci, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous nos panélistes pour des interventions extrêmement riches. Nous avons quelques questions déjà de notre public. Mais avant de les poser, j'aimerais quand même peut-être vous poser à tous une question un peu plus large, basée sur ce que je vois comme un fil commun entre vos interventions. Bien que vous ayez abordé les questions de perspectives différentes, vous semblez tous et toutes d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une action conjointe à différents niveaux, qu'il ne s'agit pas de favoriser la sécurité, la gouvernance ou le développement, mais en fait d'essayer de faire avancer tant le Mali que la région plus largement, mais peut-être que nous limiterons au Mali pour la discussion, sur ces trois dossiers. Par contre, je pense à une question de temporalité qui fait face tant aux chercheurs qui travaillent sur la région qu'aux praticiens qui cherchent à apporter leur appui à la résolution des conflits au Sahel et au Mali plus spécifiquement. Il est beaucoup plus facile à certains égards, voire nécessaire, de travailler sur les questions sécuritaires que d'obtenir des gains visibles, tant en termes de gouvernance, encore que la présence de l'État peut en fait être rétablie rapidement s'il y a volonté, qu'en termes de développement. Or, vous avez tous également souligné que l'emprise des groupes terroristes s'appuie fondamentalement sur les carences qui font que les Maliens ont des besoins économiques, politiques et autres inassouvis, des besoins de services, des besoins de revenus, qui les rendent soit plus vulnérables à l'emprise de ces groupes-là ou en fait plus tentés par l'expérience. Et là, ma question à tout le monde, c'est comment faire, parce que c'est quelque chose auquel le Mali fait face depuis assez longtemps en parlant d'écho du passé, pour faire avancer tous ces dossiers-là à une vitesse telle que l'un ne fait pas de mal nécessairement aux autres. Et là, j'ai à l'esprit le commentaire de M. Losada, très important, sur le fait que les opérations sécuritaires, même lorsqu'elles sont absolument nécessaires, peuvent parfois avoir des dommages collatéraux fort nuisibles pour tout ce qui est sentiment d'appropriation, voire même légitimité de ces efforts-là aux yeux des populations. Donc, une question pour tout le monde, très intéressé à lancer la discussion là-dessus, le fameux problème de séquencement
de toutes ces activités. Et puis, par la suite, nous reviendrons à d'autres questions que je vois dans le chat et qui nous proviennent de notre public. Marie-Joëlle, je vais peut-être commencer à répondre, si vous m'y autorisez. Parfait, Monsieur Bontemps. Moi, je vais garder ma vidéo ouverte pour pouvoir en fait suivre les différentes interventions, mais je vais éteindre le son. Oui, la question que vous posez est tout à fait essentielle. Je crois que tout le monde aujourd'hui reconnaît très clairement que la question qui est posée, enfin, le problème qui se pose au Mali, n'aura pas une solution exclusivement sécuritaire. C'est évident, il n'y a pas de réponse purement sécuritaire parce que la réponse sécuritaire, vous l'avez dit vous-même, même si elle est nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité, ne permet pas de relégitimer l'État. Et la crise malienne est largement une crise de légitimité de l'État. D'où la nécessité d'avancer conjointement sur la lutte contre les groupes armés terroristes, le retour de l'État ou le déploiement de l'État, pas forcément un simple retour sur des zones où il est absent, et le déploiement des services aux populations, et enfin les questions de plus moyen ou long terme de développement et d'offrir des perspectives économiques à la population. La grande difficulté, c'est que la temporalité de ces actions est différente. Globalement, une action militaire, ça se programme sur un délai plus court, plus rapide, qu'une opération de déploiement d'instituteurs ou de soignants est encore beaucoup plus rapide qu'une action de développement qui nécessairement a une temporalité sur plusieurs années. Et ça, c'est un sujet extrêmement complexe qui suppose une capacité de coordination interministérielle dans ces États et de volonté politique pour porter ces différents sujets en parallèle. On pourrait faire un parallèle ou une comparaison entre ce qu'on voit au Mali et ce qu'on voit au Niger, par exemple. Au Niger, vous avez ce type d'approche qui est porté par ce qu'on appelle la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix et qui permet d'avoir des opérations intégrées de bulles de sécurité dans lesquelles la présence des forces de sécurité permet le retour des services aux populations et la mise en œuvre d'actions de développement. On n'a pas malheureusement ce type de... où on a moins ce type d'approche au Mali, et beaucoup de plans ont été développés, mais ils ont été développés de façon un peu verticale. Vous avez le plan Malico, vous avez ce qu'on appelle le PSIRC, vous avez beaucoup de plans, mais qui ne réussissent pas à engager la totalité de l'appareil d'État au niveau central et au niveau local. Je crois que c'est là un des sujets essentiels, cette capacité d'avoir une approche interministérielle et de programmer l'ensemble des actions en même temps. Marie-Joëlle, je vous propose... Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je voulais juste savoir si l'un ou l'autre de nos panélistes souhaitait également renchérir sur cette question. Général Carcy. Oui, oui, je vous propose de vous donner un exemple, parce que, bien entendu, je souscris à ce que vient de dire l'Ambassadeur Bontemps, avec la problématique de la temporalité. Et comme je vous l'ai dit, hein, le terreau du djihadisme dans cette région, c'est bien la pauvreté, et le manque total d'éducation ou l'injustice. On a eu une idée, grâce d'ailleurs au général Namata, lors du mandat Barkhane et ce, il y a quelques mois, de mettre en place, dans l'attente bien entendu de projets qui pourraient bénéficier d'une situation sécuritaire suffisante, de mettre en place des colonnes foraines ou des services publics ambulants qui sont destinés à sécuriser la venue d'un embryon d'administration au Mali, au plus près des populations. Cet exemple est assez intéressant parce que ainsi, par petites touches, nous participons à raccorder, remettre en place un lien entre la population et l'administration malienne. Je pense que c'est un exemple qui existe déjà au Mali, qui est très, très efficace au Mali et qui a été proposé par le général Namata, qui, je vous rappelle, est à la fois le force commandeur de la force conjointe du G5 Sahel, mais aussi nigérien, et on l'a mis en place notamment dans la commune de Labezanga, qui est à la frontière entre le Mali et Niger. Voilà. Merci.
Je voudrais juste vous signaler que si vous voulez mettre votre vidéo pour la période de questions-réponses, on nous dit que c'est possible et que ça permettrait justement d'avoir un échange un peu plus interactif. Si jamais ça cause des problèmes, on nous le dira et on reviendra malheureusement aux cases noires, aux petites cases noires qui sont un défaut. Monsieur Losada, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous vouliez intervenir? Oui, oui, merci. Merci. Et bien sûr, je souscris tout à fait ce qui a été dit par Monsieur Bontemps, bien sûr. Et c'est d'ailleurs un peu la question qui est posée à l'Union européenne quand on est en train justement de réviser notre stratégie. C'est cette question de l'approche intégrée. Sur le papier, c'est très joli. Ça a l'air très facile, mais c'est très, très compliqué. Très facile, c'est-à-dire les actions de sécurité nettoient le terrain et tout d'un coup, les actions de stabilisation commencent et de développement également pour que la population perçoive ça. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une chaîne d'actions qui rentre tout à l'heure. Mais c'est très difficile. La réalité, c'est très difficile. C'est très difficile pourquoi ? Parce qu'on parle souvent du retour de l'État. C'est un mot qui d'ailleurs c'est le pilier 4, c'est le pilier 3, etc., de la coalition. Mais le retour, est-ce que l'État a été toujours présent dans ces zones-là? Pour moi, c'est une des grandes questions. Non, il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires. Même les gouverneurs, je me rappelle, je suis allé à Ménaka avec le gouverneur de Ménaka, on est parti de Bamako, on est allé à Ménaka, il a mis sa casquette, etc., il nous a reçus comme gouverneur. Ensuite, il est revenu dans l'avion avec nous, habillé en... C'est-à-dire que l'État n'a jamais vraiment été présent. Et par contre, les éléments traditionnels, aussi bien de justice, locaux, qui existaient auparavant, ont été absolument détruits. Donc, on doit trouver un juste milieu pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable avec, par exemple, la police de proximité, la police nomade, etc., avec ces éléments de sécurité, et essayer de ne pas envenimer encore plus la situation. Parce que la solution militaire qui est fondamentale, et je salue encore ce que fait Barkhane, qui est vraiment fondamentale pour lutter contre la grande masse terroriste, par contre, dans les zones fragiles, elle est assez compliquée. Pourquoi ? Parce qu'une partie de l'armée malienne, par exemple, qui doit lutter, est fondamentalement composée par un des groupes qui, justement, lutte contre l'autre. Donc, il y a une difficulté là qui doit être poursuivie. C'est pour ça que c'est nécessaire un plus grand échange, une armée beaucoup plus neutre, bien plus acceptée par la population, ce qui est très difficile, et ce qu'on essaye de faire avec ce qu'on appelle l'armée reconstituée dans le processus de paix. Voilà un peu quelle est, je crois, l'énorme difficulté. Et je crois également l'élément fondamental qui avait été fait lors de la première stratégie de l'Union européenne, de joindre ces deux bouts, sécurité et développement. Et maintenant, on en est sécurité, développement, humanitaire, diplomatie, on en est les 3D. On est à toutes des grandes théories. Mais la réalité, c'est qu'il faut la sécurité, la stabilité, le développement, plus ou moins dans une même chaîne. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est dans cet effort que d'ailleurs les pôles de sécurité financés par l'Union européenne dans la région vont dans ce sens, et ses États membres. Je dis toujours, vont dans ce sens-là. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Isabelle, je vois que vous voulez également prendre la parole. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Oui, moi, j'aimerais répéter cette image que j'ai bien aimée, que le général Carsi a soulevée, que les groupes armés terroristes sont une maladie qui profite d'un corps faible et malade. C'est une... Ben voilà, tout est dit. Et c'est vrai, l'ambassadeur Losada le dit, c'est vrai que l'État... Quel retour de l'État devons-nous parler? Si l'État n'a jamais été présent au Nord comme la population voulait qu'il le soit. Il l'était bien davantage à l'époque. Moi-même, j'ai voyagé sans aucun problème à Tombouctou, à Gao plusieurs fois, à Ménaka et à Kidal à deux reprises. Kidal, c'était avec beaucoup plus de problèmes. Mais justement, quand on parle de quel État, on revient aux questions de redevabilité dont vous parliez aussi et d'imputabilité. Et ce serait important là, de voir dans les prochains mois qui sont les interlocuteurs maliens. Mokhtar Ouane, Premier ministre, très bien, je le connais très bien, c'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Très gentil, très pieux,
Mais en fait, cet élément de redevabilité est fondamental parce que ce n'est pas l'ancien État qu'on veut voir revenir. C'est un État profondément renouvelé qui comprend les principes élémentaires de gouvernance, de droit de la personne, d'État de droit. Donc, c'est ça aussi, c'est dans cette négociation-là que ça sera très, très important. Oui. Donc, je remercie Madame Roy pour son commentaire. Et je vais me permettre d'ajouter un petit élément, puisque j'ai eu l'occasion de participer en tant qu'experte en médiation aux côtés de la MINUSMA au processus d'Alger et que je connais donc bien la situation. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre en termes du retour de l'État ou bien de la présence de l'État qui est très important. Ce sont également les personnes. Et là, je pense qu'il y a des progrès qu'il faut saluer, mais qui ne sont peut-être pas encore suffisants. Par le passé, beaucoup de gouverneurs, particulièrement au nord, étaient des hommes militaires. Et donc, la présence de l'État était perçue comme une présence sécuritaire, une présence d'imposition, et non pas nécessairement comme un État qui ressemblait, qui écoutait et qui reflétait les populations du Nord, quelque chose qu'on a beaucoup entendu. C'est quelque chose qui est en train de changer. Et je pense que, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, s'il reste beaucoup de défis, il est important également de souligner les progrès, parce que progrès, il y a eu. La route est encore longue, mais voilà, c'est un élément de plus qui me semble important à souligner. Nous avons des questions concernant le rôle du Canada, et je vais donc vous les poser. On nous demande qu'est-ce que le Canada a fait depuis sa présence au sein de la MINUSMA et quel rôle ou contribution la France, l'Union européenne ou les Nations unies ont en fait demandé au Canada de faire ou de continuer à faire. On nous demande également pourquoi le Canada n'est pas plus impliqué actuellement au Mali, particulièrement en termes de médiation et de réconciliation. Et je pense que cette question-là, elle découle des commentaires que vous avez faits, Madame Roy, tout à l'heure à ce sujet. Donc, sans plus tarder, si l'un d'entre vous a des éléments de réponse, je pense que c'était le général Carcy, si je ne me trompe pas, qui a souligné la contribution du Canada en termes d'avions et de transports et qui était stratégiquement important. Mais peut-être qu'il y a plus à dire sur le sujet, des souhaits à exprimer, qui sait, ou bien alors des réflexions sur ce qui était et ce qui pourrait redevenir, Isabelle, puisque vous avez quand même parlé d'une période où le Canada avait une implication beaucoup plus multidimensionnelle. Oui, d'accord. Bon, alors je vais commencer, à moins que le général Carcy veuille commencer par les souhaits vis-à-vis du Canada. Alors, c'est extrêmement simple, vous m'entendez? Oui, oui, vous m'entendez. En fait, aujourd'hui, en effet, comme je vous l'ai dit, le Canada participe au travers des missions de transport stratégique et tactique, et c'est véritablement salutaire compte tenu des élongations qu'on peut avoir entre Mopti et Menaka. Et si je devais, et je crois savoir qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours, demander des contributions supplémentaires. Le besoin à l'heure actuelle de Barkhane et des forces africaines au quotidien sont des besoins liés au renseignement, et donc pouvoir avoir un certain nombre d'appareils ou de capteurs qui participent à la recherche des terroristes, et puis des besoins, bien entendu, liés au transport, quitte à pouvoir l'augmenter, ou bien au ravitaillement en vol des avions de chasse, puisque c'est grâce à la possibilité que les avions de chasse puissent rester plus longtemps en l'air qu'on peut plus facilement intervenir. L'avantage de tous ces besoins, je pense au renseignement, au ravitaillement en vol, sont des besoins qui ne sont pas spécifiquement liés à une empreinte au sol. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les forces canadiennes participent sans pour autant être présentes au Mali, au Niger, dans les zones de combat.
un ravitaillement en vol peut rester en dehors de la zone de combat, tout comme les besoins de renseignement peuvent être assurés grâce à des drones. Voilà, et je sais que les Canadiens en disposent. Mais bien entendu, ils sont probablement utilisés sur d'autres théâtres, ce qui limite d'autant plus leurs possibilités de déploiement. Merci. Merci beaucoup, Gérald Carcy. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis à la retraite. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux quant aux discussions en cours. Mais moi-même, je formule ce vœu que le Canada soit plus présent. Pas que le Canada s'est totalement retiré, là, je mentirais si je disais cela, parce qu'au niveau santé-éducation de base, notre appui est toujours extrêmement important. Au niveau gouvernance, droit de la personne, au niveau droit des femmes, on est monté en puissance avec malheureusement l'accroissement des violences faites aux femmes, en situation de conflit bien entendu. Et à cet égard, le Canada a apporté beaucoup, beaucoup d'appui financier et en termes de personnes et de projets aussi. Bon, maintenant, en ce qui concerne ce nœud, le nœud des besoins, renseignements, oui, je souhaite que vous soyez entendus, parce que je crois que le Canada pourrait faire plus aussi à ce chapitre-là. Le reste, transport, ravitaillement en vol, je crois qu'on a démontré qu'on pourrait le faire aussi. Il y a évidemment le fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État dans une situation, un pays donné, tout s'interrompt. Hein. Et le Canada, en 2013-2014 même, le Canada a été le dernier à rétablir ses investissements en développement, appui à la gouvernance, réforme des institutions, etc. Donc, c'est pour nous quelque chose de très important et je le comprends tout à fait. Mais comme on l'a souligné, ce coup d'État était particulièrement inusité, celui du mois d'août cette année. Donc, je souhaite aussi que le Canada monte en puissance. Et moi, je peux m'en faire l'écho auprès de mes amis et de mes collègues, mais je n'ai plus du tout de mots à dire. Alors moi, je vous dirais, faites-le et n'hésitez pas à faire appeler à très haut niveau. Je pense qu'il faut démontrer que ce besoin de Canada, que la perception ne soit pas qu'il n'y a que la France et les alliés européens qui sont engagés au Sahel. Et ça, je crois que le Canada était en très, très bonne position quand moi j'y étais, puisqu'on était perçu avec les États-Unis comme vraiment, et la France et l'Union européenne, il y avait un groupe extrêmement équilibré. Donc, je vous dirais, multipliez ces appels, parce qu'on peut faire davantage. Médiation, réconciliation, on a fait nos preuves, on l'a fait jusqu'à l'époque où moi j'y étais d'ailleurs, au Nord Mali, on organisait beaucoup de séminaires où les uns et les autres pouvaient dialoguer. Et ça, c'est effectivement une entreprise de long terme, à moyen et long terme, mais on le faisait depuis longtemps, justement. Donc, j'aimerais que vous continuiez à exprimer ces besoins et cette amitié auprès du Canada. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne vois pas... Ah, Monsieur Bontemps. Oui. Juste très rapidement, hein, pour dire que pour nous, de toute évidence, le Canada est un partenaire majeur dans ce que nous faisons et sur l'ensemble des quatre piliers, hein, sur le Sahel, en particulier sur le Mali. On est naturellement en coordination extrêmement étroite. Je suis moi-même en coordination, en contact constant avec les collègues canadiens sur le sujet. Alors, bien évidemment, on souhaite toujours qu'il y ait davantage, que le Canada fasse plus, mais il y a déjà une forte présence et je m'en réjouis. Le Canada, d'ailleurs, nous l'espérons, devrait participer
à partir du mois de janvier au secrétariat de la coalition pour le Sahel à Bruxelles. J'espère que ça va se concrétiser, ce sera une excellente chose et ça lui permettra d'être au cœur de l'endroit où se réfléchissent les stratégies et où se fait la coordination entre le secrétariat de la coalition, le P3S qu'évoquait Andrel Losada tout à l'heure, l'Alliance Sahel, etc. Donc voilà, déjà une forte participation, j'espère qu'elle se renforcera, mais la coordination est naturellement constante. Monsieur Losada. Oui, non, je voulais dire tout simplement que bien sûr le Canada est un partenaire stratégique, ça nous a cet accord stratégique avec entre le Canada et l'Union européenne. Et si je ne me trompe pas, je crois que depuis 2003, le Canada a contribué à 12 missions civiles et militaires de l'UE en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Donc c'est un partenaire très important, sans aucun doute. Vous avez participé également dans la réunion des envoyés spéciaux également. Et nous devons maintenir cette voie internationale parce que je l'ai dit tout à l'heure, je dis au début, la sécurité du Sahel, ce n'est pas seulement la sécurité de la région, ce n'est pas seulement la sécurité de l'Europe, ça nous affecte à tous d'une façon directe ou indirecte. Donc, en tout cas, nous avons un partenariat très, très, très riche et qui, je crois, ne peut que se renforcer. Merci. Je vois que nous arrivons presque au bout de notre atelier et je dois avouer que c'est réjouissant de discuter pendant une heure et demie et ne pas parler de pandémie. Mais je vais quand même peut-être finir par une question. Vous parlez de coordination, d'engagement soutenu actuellement, peut-être d'une présence algérienne, nouvelle également sur le terrain. Donc, on parle d'une implication soutenue de la part des États de la région, mais également de la communauté internationale. Des inquiétudes par rapport à un éventuel impact de la pandémie au court ou au long terme, des choses, selon vous, sur lesquelles il ne faudra absolument pas transiger et qu'il faudra faire passer en priorité indépendamment des coûts pour ne pas justement avoir de recul sur les gains qui ont été difficilement acquis pendant les dernières années. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais ça serait peut-être une manière également d'essayer de se projeter dans le court et le moyen et long terme. Monsieur l'ambassadeur Bontemps. Oui, merci. Deux, trois remarques très simples sur cette question de pandémie. Première remarque, pendant la pandémie, les affaires terroristes continuent. Les groupes terroristes ne s'arrêtent pas avec la pandémie. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Ça signifie qu'on ne peut pas relâcher l'effort. Ça a été un sujet de discussion un petit peu complexe sur le plan opérationnel au niveau européen. Andrel voudra peut-être réagir tout à l'heure là-dessus, sur les missions européennes, missions EUTM, missions ECAP, parce que le déploiement de ces missions a été rendu plus difficile avec la pandémie, même si aujourd'hui elles sont revenues à un niveau opérationnel complet. Mais il faut l'avoir en tête. On a en face de nous des gens qui ne s'arrêtent pas. Deuxième point, bien évidemment, la pandémie a un impact lourd en termes économiques et financiers sur des États déjà extraordinairement fragiles. Et ça, c'est tout l'enjeu du financement du développement en Afrique. La France, d'ailleurs, invitera ses partenaires l'année prochaine à une grande conférence internationale sur les questions de financement du développement en Afrique. Dans un contexte post-Covid, vous avez vu que déjà il y a eu des initiatives, notamment des initiatives pour suspendre le paiement d'une partie de la dette. C'est extrêmement important. Il faut comprendre qu'on a des États qui sont dans des situations très compliquées et la pandémie vient rendre cette situation compliquée totalement inextricable. Donc, donner à ces États la bouffée d'oxygène dont ils ont besoin
pour pouvoir faire face à leurs contraintes immédiates et apporter des perspectives en matière de retour de la croissance, de financement de l'investissement, de financement des infrastructures, de financement des services publics, je crois que c'est totalement essentiel et ce sera un des grands enjeux pour les mois à venir. Je vois que le général Carci et M. Losada veulent tous les deux intervenir. Monsieur Losada, peut-être qu'on vous prendra en premier. Très brièvement, parce que je partage absolument, j'allais dans le même sens que Frédéric d'ailleurs, que l'ambassadeur Bontemps. Oui, absolument. Nous devons voir que le Sahel, si on voit les effets de la pandémie au Sahel aujourd'hui, il est vrai que du point de vue santé, c'est vrai que les moyens de vérification sont beaucoup plus limités, mais que la pandémie n'a pas le poids qu'elle a aujourd'hui en Europe. Mais par contre, les retombées, comme je l'ai dit tout au début, les retombées économiques à long terme, non seulement de leur part, mais également une réticence sans aucun doute de certains bailleurs qui doivent faire face aux problèmes intérieurs de leur population, va avoir des conséquences énormes. Également, les conséquences pour le tourisme. Parler de tourisme au Sahel, c'est un peu exagéré aujourd'hui, bien sûr, mais comme vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait un vol direct entre Marseille et Agadez. C'était quand même une région qui vivait de ça. Et on n'a pas touché un autre problème qui est très, très fort, qui est au fond de toute la question également et qui, comme un serpent qui est là, c'est la question des trafics. La question des trafics, c'est une des questions essentielles parce que cette région, économiquement, elle a des grosses difficultés à aller de l'avant, quoique le delta du Niger pourrait être adapté d'une façon à nourrir pratiquement toute l'Afrique, s'il était bien, j'exagère un peu, mais une partie importante de l'Afrique. Mais par contre, la question des trafics n'a pas été touchée. Et elle est au centre de la problématique aujourd'hui, de l'insécurité, de la lutte entre les différents groupes. C'est beaucoup plus complexe que ça, même dans le monde Touareg, comme vous savez, la différence entre les Ifoga, les Ingaz, les points les plus recherchés pour ces trafics, c'est une question fondamentale. Je me dévie un peu de la question de la pandémie, mais je voulais en tout cas ramener à l'esprit l'importance de la question des trafics qui a toujours été là depuis le trafic d'esclaves, le trafic du sel, etc. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue, c'est une des questions fondamentales. Chaque fois que je soulève cette question au sein du comité de suivi de l'accord, les mouvements n'écoutent pas. Quoique c'est repris dans l'accord de paix reprend la question des trafics. C'est une question, Madame l'ambassadrice, certainement vous la connaissez très bien depuis toujours, c'est une des questions fondamentales qui structure cette région, mais la structure d'une façon qui n'est peut-être pas la meilleure. Je voulais soulever cette question également. Merci. Sans beaucoup de réponses, malheureusement. Cela permettra de nourrir la réflexion de tout l'auditoire pour longtemps, parce que ce sont des questions qui sont à la fois, effectivement, comme vous le dites, très importantes, mais également très complexes. Alors, Général Carci. Moi, je vais vous donner une perspective de terrain pour être allé dans tous les villages au cœur, bien entendu, des terreaux djihadistes. Ce que j'ai pu observer, ce sont des personnes qui, au quotidien, survivent. C'est-à-dire que leur préoccupation, ce n'est pas la Covid, c'est bien de savoir s'ils vont avoir suffisamment à manger pour le lendemain. Et en outre, ils contractent d'autres maladies, comme le paludisme ou des maladies liées à la qualité de l'eau qu'ils boivent. Autant vous dire que ça les tue beaucoup plus que la Covid. Ensuite, un autre point pour la partie engagement opérationnel, comme l'a dit l'ambassadeur, Bontemps, nous n'avons pas du tout changé le tempo de nos opérations, d'autant que l'ennemi, lui, n'est pas prêt de le modifier. Et le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où vous déployez une force sur le terrain, vous la disséminez. Donc, autant vous dire que le social distancing se fait de manière assez naturelle. Et bien entendu, ensuite, il faut porter le masque. Voilà. Alors, on me signale que nous sommes arrivés à la fin de du temps qui nous est alloué. Je trouve que c'est dommage parce qu'on commençait à peine à parler de choses très intéressantes et complexes. Alors, d'abord, toutes mes excuses à Madame Roy. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir là-dessus. Je veux en profiter pour vous remercier tous pour des échanges, je pense,
qui traduisent à la fois la difficulté des enjeux, mais aussi la profondeur des réflexions transatlantiques sur ces questions-là. Et personnellement, je repars rassurée du fait qu'il y a effectivement des progrès, particulièrement en termes de coordination, qui pourraient nous amener à être plus optimistes qu'on le serait en regardant les choses seulement avec le prisme de ce que l'on voit dans les médias. Donc, sans plus tarder, je vais à nouveau vous remercier et passer le bâton à Youri. Ouais, quoi de plus à dire, c'était vraiment absolument fascinant cette conversation. Merci à tous, merci à l'auditoire d'être là aujourd'hui avec nous et on se retrouve pour peut-être la conférence d'Ottawa en mars. Au revoir.